les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale anniversaire. Alors, je vous ai déjà filmé une première partie anniversaire où je vous montre en fait comment je prépare un gâteau d'anniversaire pour un bébé d'un an pour qu'il puisse le déguster. Cette vidéo sera donc la deuxième partie spéciale anniversaire et ce sera donc la dernière. J'ai simplement décidé de vous filmer en fait un petit peu la déco, ce que j'avais préparé pour l'anniversaire d'Eden. À savoir que je n'étais pas sûre en fait de faire l'anniversaire à Eden, donc tout a été dernière minute, j'ai envie de dire, tout simplement parce que autour de moi beaucoup de personnes étaient en congé. C'est l'inconvénient en fait de fêter son anniversaire en plein été. Après mon boulot, entre la préparation des vacances puisqu'on part en vacances et son anniversaire, je savais plus où donner la tête, donc ça a vraiment été en fait un anniversaire de dernière minute. Donc. Mais bon bref, en tout cas je lui ai quand même fait quelque chose parce que ça me tenait à cœur de fêter sa première année, voilà, tout simplement, de marquer le coup. Donc voilà, en ce qui concerne la déco, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai préparé à l'avance. Je savais pas du tout quel thème ou quoi que ce soit, j'ai fait au feeling. Et ceci dit, ça va, c'était pas trop mal, hein. C'était pas la déco de ouf, mais c'était pas dégueu, voilà. Je vous laisse tout de suite regarder donc la suite de la vidéo et moi je vous retrouve donc tout à l'heure. Et bien voici ma table d'anniversaire à Eden. Donc en fait j'ai entreposé ça sur mon meuble puisque j'ai gardé la table pour qu'on puisse y manger, sachant qu'il y a des personnes âgées, donc j'ai préféré qu'elle soit assise sur une table correctement. Donc du coup j'ai mis ça sur mon meuble. A savoir que 99% des choses que vous voyez sur cette vidéo proviennent de chez Action. Voilà, donc ici j'ai mis une guirlande qui vient de chez Emma, que j'avais déjà pour l'anniversaire de ma fille. La nappe, j'adore, franchement elle est trop belle, couleur vert mint comme ça avec des petits pois blancs, j'adore. Ça va aussi bien à une fille qu'à un garçon. Ensuite ici j'ai entreposé des petits muffins sur un plateau à étage. Donc il faut savoir que les muffins je les ai pas fait hein, parce que franchement j'avais pas le temps, c'est un anniversaire de dernière minute. Mais voilà, je tenais vraiment à lui faire un petit anniversaire. Donc les petits muffins là je les ai achetés chez Action pour 2 €. Donc par contre c'est moi qui ai préparé les cookies, les pop-corn et le gâteau d'anniversaire, puisque ça me tenait à cœur qu'Eden puisse manger son gâteau d'anniversaire. Mais je vous ai filmé la recette, je ne sais pas si vous verrez avant ou après cette vidéo-là, mais voilà, quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc des petits pop-corn. Donc là, les pop-corn, je les ai fait avec une machine que j'ai achetée pour 13 € chez Action. Franchement, elle est top. Je pense même vous la mettre dans ma prochaine vidéo favori parce que la machine, elle est vraiment top. On peut faire des pop-corn sucrés, salés, c'est sain, sans matière grasse. Et franchement, j'adore. Mais bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ici, on a le petit gâteau d'anniversaire de mon bébé. Voilà. Ici, on a des petits bonbons. Un anniversaire pour enfants, on est obligé d'avoir des bonbons. Ensuite, donc là, j'ai juste mis en fait 2 petits ballons. Ici, on a une guirlande que j'ai achetée chez Cora. Voilà, bon, au niveau des couleurs, c'est pas forcément ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça fait pas mal. Bien, voilà la petite table d'anniversaire. Franchement, j'adore. Ça m'a coûté 3 fois rien. Et je trouve que ça fait son petit effet, voilà, sans trop, ni trop, ni pas assez, juste bien. Et bien voilà les filles, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.